C'est une conférence internationale organisée par ICCT ici, qui a donc pour thème sur la taxe foncière, comment financer le développement des collectivités locales à travers donc l'amélioration de la taxation foncière. Cette conférence regroupe des praticiens de la fiscalité, notamment les administrations fiscales au niveau africain, mais aussi des chercheurs de grande renommée, des chercheurs au niveau des universités de grande renommée comme l'École d'économie de Paris, mais aussi des universités américaines. Et toutes ces personnes donc se réunissent aujourd'hui ici pour voir dans quelle mesure on peut améliorer les finances des collectivités locales à travers la taxe foncière. Il a été noté dans des études que dans nos pays africains, c'est que 0,38% du PIB qui est donc consacré aux taxes foncières. Donc ce qui est relativement faible comparativement au taux connu au niveau des pays développés qui est autour de 2,2% donc du produit intérieur brut. Donc aujourd'hui, le Sénégal a intérêt à ces travaux-là. Les conclusions de ces travaux pourraient servir de levier important pour voir dans quelle mesure on améliore donc les finances des collectivités locales, surtout à l'aune de l'acte 3 de la décentralisation, qui traduit la volonté du chef de l'État donc d'augmenter les finances des collectivités locales pour les biens donc des populations. Oui, il y a des initiatives dans le domaine de l'administration des impôts. Aujourd'hui, le directeur général des impôts pourrait peut-être y revenir. Il y a un projet au niveau de la Direction générale des impôts qui vise à améliorer donc les taxes foncières, la collecte des taxes foncières, qui se base sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, sur des recensements sur le terrain, mais sur également donc l'utilisation de toutes les données disponibles aujourd'hui et d'utiliser également des analyses, des universaires, donc des analyses aléatoires qui permettent donc de traduire en politique toutes ces collectes de données qu'on a eu à faire ces dernières années et donc de le traduire en politique fiscale permettant effectivement d'améliorer la collecte donc des impôts fonciers. Il y a des initiatives prises. Cette conférence également pourrait aboutir à des conclusions qui, une fois exploitées, je n'en doute point, pourraient permettre d'améliorer significativement les ressources des collectivités locales à travers donc la taxe foncière.